Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler des qualités et des défauts du signe de Taureau, ce qui vous permettra de mieux comprendre comment fonctionne ce signe, son attitude et ses réactions. Alors bien évidemment, tout ceci ne représente que des généralités sur le Taureau, sur le signe du Taureau, et seule une étude complète de votre thème astral peut déterminer un peu plus précisément votre caractère et votre attitude, votre façon d'agir. Je vous invite tout d'abord à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos sur l'astrologie, l'actualité astrologique, le développement personnel et les insomnies. Bonjour, je suis Nathalie Marco, astro-coach, conférencière et formatrice en astrologie. Vous pouvez me retrouver sur le site www.nathaliemarco.com et sur ma chaîne YouTube Nathalie Marco. Alors aujourd'hui, dans cette courte vidéo, je vais vous donner les qualités et les défauts du signe du Taureau. Alors voyons d'abord ensemble les qualités du Taureau. Le Taureau est un signe stable, enraciné dans la réalité. Il est extrêmement fiable. Il poursuit ses objectifs avec une persistance tranquille. Il fait des choix prudents car en fait il a énormément besoin de sécurité matérielle et émotionnelle. Il faut savoir que l'argent pour lui est important. Il a un grand besoin de son confort. Le Taureau est doué pour l'art, la musique. Il aime mettre les mains dans la terre, comme par exemple la poterie, mais aussi le jardinage. C'est d'ailleurs dans ces activités-là qu'il va se ressourcer. C'est un être qui est doux, romantique et sensuel, puisque sa planète maîtresse est Vénus. Il apprécie les textures soyeuses, agréables au toucher, comme par exemple la soie, le velours, le cachemire. Voyons maintenant ensemble les défauts du Taureau. Alors, le rythme tranquille et paisible du Taureau peut parfois agacer les signes plus impulsifs comme par exemple un Bélier. Quand un Taureau se lance dans un projet, il commence lentement, avance lentement et surtout refuse qu'on le presse. Il peut être très buté dans ses idées et il a besoin de posséder car en fait il a peur du vide et c'est de cette façon-là qu'il va se rassurer. Pour lui, une baisse de salaire ou de statut social sont vraiment quelque chose de très stressant et douloureux parce que ça le place directement en insécurité. Alors contrairement à certains autres signes, il sait où il va et il sait ce qu'il veut. En fait, le Taureau est un peu comme la tortue dans la fable de La Fontaine, vous vous souvenez? Il ne se rend pas à sa destination rapidement, par contre il sait qu'il va l'atteindre. Le Taureau est très patient. Attention à ne pas abuser d'ailleurs de sa patience, sinon il risque de se mettre dans des colères dont vous vous souviendrez toute votre vie. Alors si vous avez apprécié cette vidéo, si vous pensez qu'elle peut aider des personnes autour de vous, allez-y, partagez-la sur les réseaux sociaux. Et si vous souhaitez que je développe certains sujets sur cette chaîne YouTube, indiquez-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et enfin, si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne afin de recevoir chaque nouvelle vidéo que je publie régulièrement sur l'astrologie, le développement personnel, les insomnies. Et souvenez-vous d'une chose, vous méritez le meilleur dans tous les domaines de votre vie. Alors je vous dis ciao, à bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.